Mais, allez mec, en 5 jours, 3 vidéos. Si vous voulez qu'on continue sur cette lancée, vas-y, tu sais quoi, hey, on est fou. 4000 likes, 4000 pouces bleus, vidéo mercredi à 18h34. Merci à tous de jouer le jeu au niveau du jeu des pouces bleus. Je kiffe faire ça, je vois que vous êtes au taquet. Merci à tous, bonne vidéo. Salut les mecs, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Juste cette vidéo, c'est une dinguerie les mecs. Rien que vous l'avez vu au titre, vous avez pu voir que j'ai tout simplement changé la config esthétique du 85 SX. Déjà, faut savoir que le projet partait bien, partait sur de bonnes idées, des bonnes couleurs, un bon rendu. Ça partait super bien et il y a eu quelques galères. Voilà, et tout simplement, je vais vous expliquer l'histoire. Avant que ça commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le petit abonnement, ça fait super plaisir. On se rapproche des 70 000 abonnés. Mon ref, à 70 000 abonnés là, je fais un terrain de cross et j'invite tous les abonnés. Ouais, je le ferai, ouais, t'inquiète. Plus sérieusement les mecs, merci à tous de vous abonner, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Ça me permet d'accroître l'audience frérot et du coup de multiplier tout ce qui est sponsor et tout, développement de la chaîne pour ensuite racheter de nouveaux véhicules. Je vous dis rien, dans un mois c'est mon anniversaire et j'espère sincèrement revenir encore avec un nouveau véhicule, voilà. Bon, ensuite au niveau du titre, pourquoi il y a tout simplement écrit TCQR dans le titre. Bon les mecs, vous le savez très bien, je m'y attendais. Donc en fait je me suis protégé on va dire. Je m'attendais fortement à recevoir des commentaires au niveau de la couleur de la moto, parce qu'elle a été divulguée quelques fois sur YouTube. Mais je vous connais, je connais la communauté YouTube. Je me suis dit je vais me faire incendier si je le dis pas. Et tout simplement parce que vous avez vu la couleur, ou tout simplement vous allez la voir. Cette couleur a été diffusée sur la chaîne de TCQR. Il a son code couleur, on va dire que c'est ça, c'est sa couleur fétiche. Elle est magnifique la couleur. La config là, mon 85, je dis pas qu'elle est magnifique, juste que la couleur est magnifique. Après l'esthétique, frérot, qui dégoûte et tout, faut le faire. Désolé les mecs pour mon incroyable bouton. Mais bref, je préférais mieux vous prévenir que guérir. Au lieu qu'on me dise dans les commentaires, ouais, t'as fait le mec qui a fait une nouvelle couleur jamais vue sur YouTube et tout. Là, je vous dis les mecs, inspiration 100% TCQR. J'ai vu cette couleur quand j'étais chez le carrossier, je me suis dit, hey, vas-y viens, bleu Miami frérot, bleu Miami, le 85 et tout simplement vert kaki. Non, bleu Miami les mecs. Bon. Franchement la couleur, frérot, j'ai flashé dessus. De là la moto, regarde frérot. Tu la vois comme ça. Là tu te dis quoi? Là tu te dis, bon, c'est sympa, il manque peut-être un petit kit déco quoi. Tu vois, tu vois que ça. Mais après frérot, tu te tournes, tu vois qu'il y a du blanc, du orange. Tu fais, ouah, c'est quoi ce bordel? Et le blanc qui casse tout. Bon, je vais vous expliquer sur quoi on était parti à la base, sur quoi ça finit et pourquoi ça finit. Mais sinon voilà, du bleu Miami. Pour juste les carénages. Enlevez tous les autocollants de votre tête, regardez juste les carénages. Et je vous ai filmé la pose des autocollants, je vous ai tout filmé, vous allez tout voir. Vous allez aussi voir la moto quand elle était bleu Miami sans les autocollants et vous allez pouvoir choisir. Mais avant, sur quel compo j'étais parti. Vas-y, tu sais quoi, je préfère m'asseoir paisiblement pour vous raconter l'histoire parce qu'elle est tellement longue que je vais essayer de la raccourcir au maximum. De base, j'achète un 85, il y a le kit déco de l'ancien propriétaire. Sur une moto, tu vois, ça fait dégueulasse d'avoir une moto qui est pas à ton nom. Au niveau de la police, déjà que c'est des motos qui sont non homologuées, bref, t'as capté. Je voulais plus avoir le nom du mec, du coup, fallait changer. J'ai pris quoi? J'ai pris un kit plastique, j'ai regardé sur internet, je voulais du Grinardo mélangé à du orange pour rester dans l'esprit KTM, mais toujours avec un peu de subtilité, tu vois, une KTM Grinardo orange. De base, c'était ça. Ok, impossible de trouver des carénages Grinardo. Je dis quoi? Bon, c'est pas grave, je vais acheter d'autres carénages, on va les peindre en la carrosserie en Grinardo. De base, on partait sur ça. Il s'est avéré que pour le Grinardo, c'était une galère à l'avoir, on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, on pouvait déjà oublier ça, mais j'avais commandé au préalable un kit plastique complet. Retenez bien, complet sur 24MX. Les refs, ne vous faites pas voir. Complet, je dis bien complet. Est-ce que vous avez l'impression que sur la moto, il est complet? Je crois pas. J'ai galéré, j'ai mis 3 jours à choisir ma couleur. Une fois que j'avais ma couleur, c'est bien, t'as ta couleur frérot. On passe à la peinture, ça se fait bien, je vous mettrai quelques plans de la peinture et tout, tout se passe bien. Frérot, t'as l'impression que le kit déco est complet? T'as l'impression qu'il est complet? J'ai fait le montage de la moto, j'étais en face cam comme ça, vous voyez pas la moto. Vous saviez que j'étais en train de travailler dessus en live sur Instagram et là on fait. Mais attends, ils sont où les ouïes arrière là? Ils sont où? On les a pas frérot. Donc là vous l'avez remarqué, c'est les anciens carénages. Donc il y avait le kit déco qu'on a enlevé, parce qu'il y avait le nom du mec, de l'autre côté c'est pareil mais c'est encore pire. Parce que frérot, on avait peut-être oublié un détail, la boîte à air. La boîte à air, la boîte à air, putain, la boîte à air. On l'avait pas non plus. Donc au final on s'est resté avec une moto, avec des détails de blanc. De l'autre côté je vous dis pas, c'est encore pire. Voilà, on a encore l'ancien carénage là. Encore Louis là, blanc. Voilà. Là, je vais pas te mentir que là, j'avais un coup de seum.
j'étais dégoûté. Et je vais te dire pourquoi j'étais dégoûté. Parce que tout simplement, à la base, on partait sur... Là, tu vois, tu te l'imagines. Bleu Miami. T'enlèves tous les autocollants. Toute bleu Miami. Des détails noirs. Donc ça, on l'a laissé noir. Voilà. Pour un bon détail noir, tu laisses tout noir. Enfin, les détails noirs, bleu Miami. Imagine-la toi. Avoue que ça pète. Et là, frérot, ça... Ça pète pas, mon ref. Je suis désolé, ça pète pas. Ça pète pas. Mais c'est pas de ma faute. Ni de la mienne, ni de la faute du carrossier. Bon, comme vous savez, de base, le carrossier, c'est mon client. C'est la famille. Voilà. Donc au niveau du prix et tout ça, ne commencez pas à dire non, tu t'es fait niquer, t'aurais dû prendre ça et tout. J'ai payé que dalle. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez le remercier, ceux qui sont gentils, n'hésitez pas à lâcher un petit follow sur son compte. Il a voilà Victor Mekier. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai fait les vidéos en TTR, la gamme TTR. Et vous inquiétez pas, qu'avec lui, il y a de grosses dingueries qui vont arriver. Il est aussi fou que moi et franchement, quand on est à deux, vaut mieux pas qu'on soit trop longtemps à deux, frérot. Tu vois, on est resté une semaine. Je te raconte ma vie du kart, de la moto tous les soirs, la police qui passe, frérot. Ouh, il s'est avéré que, ok, on n'a pas le truc. De base, elle était bleue. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, pareil, t'as des petits contacts à la carrosserie, t'en as qui savent faire des autocollants. On passe un coup de fil. Nana, tu peux me faire les couleurs, nana, ça, on choisit. Je le fais sur Photoshop, bam, bam, bam. Voilà, on les pose. Là, je vais vous mettre après le passage de la pose. C'est là qu'on s'est dit, non, c'est pas possible. C'est direct, on s'est dit, bon, allez, poubelle, moto, poubelle, frérot, esthétiquement poubelle. Mais il y a quand même ça que je kiffe. Alors là, on pourra rien dire, celui-là, il est magnifique. Voilà, les deux Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre. Voilà, petite pub, tu vois. Et celui-là, les KTM. Bon, ceux qui vont regarder jusqu'à la fin, ouais, bon, allez. Mais tu regardes de loin, regarde, tu regardes la moto comme ça. Allez, celui-là, j'aime pas trop. On valide pas trop et on part sur un choix de nous deux. Hein. Je dis pas que je critique le travail de je ne sais qui. Esthétiquement, ça, c'est pas beau. Surtout sur du blanc, c'est dégueulasse. Donc, maintenant, le problème, ça va être de quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait sur la moto? Et c'est là que je sors cette vidéo. Les mecs, faut m'aider. Là, faut me dire. Léo, faut me dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais un mix? J'essaye de trouver des carénages arrière noirs. Et je mets ça en noir, j'enlève les autocollants. Par contre, celui-là, frérot, j'aimerais bien le garder. En plus, c'est de la bonne qualité. Ouah, il est beau. Du coup, là, j'étais un peu en mode, je vous la cachais pour la surprise. On va pas se mentir, c'est une surprise un peu empoisonnée. Moi, je m'attendais à une moto fou. Et en fait, de base, là, tout à l'heure, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait la moto noire et orange? Et franchement, on aurait eu moins de galères, pas de peinture à faire. Juste, on aurait eu une semaine pour taffer sur des autocollants, sur un kit déco. Bref, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Du coup, j'ai une KTM 85 SX semi-bleu Miami. Mais je te mens pas que bleu Miami full, ça aurait été magnifique. Vraiment, ça aurait été magnifique. La peinture rend super bien au soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est des choses qui arrivent. Quand j'ai reçu le colis, j'ai pas fait gaffe de... Un peu dégoûté, ça fait un peu pareil que la 50. Au final, on s'était fait baiser pour le kit déco, donc elle est restée comme elle était d'origine. Mais voilà, et celle-là, j'ai vraiment pas envie. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que là, vous le savez très bien, ma région, elle est confinée, frérot. Donc, pour te dire, là-bas, c'est confiné. Là, tout ça, c'est confiné. Là-bas, c'est pas confiné. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'habite à la frontière, c'est simple. Maintenant, ça va être à vous de décider qu'est-ce qu'on fait. On la remet d'origine. Si on la remet d'origine, bien sûr, j'enlève le 15 de l'ancien proprio. Donc ça veut dire que, en fait, lui, il a collé son kit déco sur le kit plastique origine KTM. Donc soit je la refais full KTM, j'enlève la colle au décapeur, bref, au diluant, j'enlève la colle, je la refais bien, je la refais 85 SX d'origine. Concession, vous avez les cartes en main, ce n'est plus à moi de décider du sort de la 85. Je vous demanderai même pas de noter sa beauté sur 10 dans les commentaires. Vous pouvez le faire, défoulez-vous, faites-le. Mais même moi, frérot, là, je lui mets un 5 sur 10, même pas, je lui mets 4 sur 10. En fait, si t'enlèves les autocollants et le blanc, frérot, je kiffe le bleu Miami. Au niveau de ça, j'ai pas les mots, c'est trop beau, vraiment c'est trop beau. Il y en a qui n'aiment pas, moi je kiffe au soleil, ça ressort super bien le bleu Miami. Vous décidez du sort de la 85, après on verra ce qu'on en fera. J'ai vraiment envie de lever. Mais par contre, un deux temps, c'est incroyable. Pourquoi pas un petit 2,5 pour l'anniversaire? Bon, c'est possible. C'est des choses qui arrivent. Tu vois, ça change incessamment sous peu. Je vous attends sur ça dans les commentaires. Vraiment, sortez-moi des belles configs. Si je peux dépenser le moins d'argent possible pour la refaire, ça serait patate. Donc voilà, pour la refaire, esthétiquement parlant. Bref,
c'était l'eau, je parle pas plus. Je vous laisse avec les vidéos qu'on a tournées la semaine dernière quand on préparait la moto. Bon, j'ai essayé de vous cacher la surprise, mais bon, je vais pas te dire la surprise, frérot, elle est écœurante. Sur ce, les mecs, profitez bien de la fin de la vidéo. Je vous attends en commentaire. Mettez-moi des pouces bleus. Bisous. On a le résultat des carénages. Bleu Miami, Bleu Night. Bleu Night. Regardez-moi ça, le travail de professionnel. Wow, ticket 50 top. Oh merde, oh putain, j'ai fait refaire le carénage. Et là, je pose l'iPhone comme ça là. Attends, tu y vas déjà là? On n'a pas vu une photo avant après? Ah bah vas-y, allons-y. C'est carrément stylé, regardez les mecs. Bleu Miami. Et par contre, on s'est rendu compte que bah, les carénages que j'avais achetés, ils fournissent pas le côté. C'est vraiment des bâtards. Ouais, du coup, là, on pense qu'on va enlever ça. On va enlever ça. T'as sa mère. Oh, oh bordel. Oh bon, oh ça fait horrible. On va réussir à enlever la colle. Putain, ça fait con, on aurait dû peut-être laisser comme ça avant. Salut les mecs, voilà, on a avancé, regardez, si elle est pas magnifique comme ça, 85 SX 2016 bleu miel. Et là, il y a les stickers qui sont arrivés, pour mettre des petits stickers, donc le Instagram, merde, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a de la peinture qui est un petit peu sèche à des endroits, il a fallu faire des petites retouches, mais voilà. Et sinon, regardez, on s'est fait niquer dans le kit carénage que j'avais commandé. Bah ça c'est pas fourni, les ouïes sur le côté, donc je vais essayer d'aller voir avec le site parce que c'est bizarre. Ah tu le colles comme ça. Attends, attends, faut pas le mettre trop haut, hein. C'est bon là. Attends mais t'es, on n'a pas le niveau là, ça se trouve c'est si, pas droit. Si je suis centré avec ta plaque. Ouais mais est-ce que t'es droit au niveau, ouais, des... Mais de toute façon tes lestres ils sont penchés. Vas-y bah plaque. Wow, 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 t'as décollé un chouïa. Oh, le travail de pro ici. Bon, 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 c'est, ça fait horrible. Bon, encore à la limite, le Insta et tout, les petits trucs, ça peut faire beau. Eh hey, mais faites votre vie vous. Regardez. Sur le papier ça fait beau. Après le reste, ça on n'en est pas sûr. C'est toi qui le faire quoi. Lui on aurait peut-être pas dû le mettre là, on aurait dû le mettre là. Oh là elle travaille là. C'est ça qui se fait. Après, il aurait fallu le faire. Non, il passe carrément. Bien voir. Lui, ouais, mais pas le 634. Il passe de fou. On aurait dû le faire courber. En vrai, ça rend pas moche. Bah, peut-être le numéro il est pas beau, mais le l'Insta. Regardez avec le soleil. C'est une moto d'Américain. Ici. Ouais. Te trompe pas, hein.
La barre du KTM, t'es sûr elle est bien mise? Et dites-vous les mecs, hein, c'est une surprise entre nous, hein. Mais là, dans une heure, top chrono, on va chez le coiffeur, teinture. Oh le bordel, la moto elle va être dégueulasse et nous on va être magnifique. Et nous on va être dégueulasse. Le KTM là. Oh, oh non. Non, tu t'abuses. Attends, on va préparer. Oh, t'abuses. On peut couper. Faut regarder de loin. Loin et tu fermes les yeux. Non, ça se voit pas. Alors là, les mecs, on part sur l'élément qui va faire toute la moto. Vraiment, là tu te trompes, c'est mort, c'est la fin.